Ça va, les docteurs? Bah oui, ça ira. Mais simplement, veillez à ce qu'il prenne ses médicaments, compris? C'est compris, docteur. Faut que j'appelle Billy. Allô, Billy? Oui, Lorraine. Je suis à l'hôpital avec papa. Il a eu un malaise. Quel hôpital? Clinique de l'Espérance. D'accord, j'arrive. Ok. Oui, allô? Oui, mon chéri. À la piscine? Laquelle? À la cité? Ok, je suis à toi dans un instant. À tout à l'heure. C'est grave. Tiens, je pense à la cause de sa chute. Merde, c'est quelques dettes de jeu, de rien du tout. C'est petit pour une société. Alors, tu devras beaucoup prier pour que rien n'arrive à mon père. Calme-toi, cousin. Il vit à côté de son outil. Il va s'en sortir.
tu as pensé à ça un jour? Retire vite ce que tu viens de dire. Idiot. Si tu n'étais pas mon petit frère, je te filerais une bonne raclée. Bonne arrivée, ma puce. Laisse la lionne agir. Et toi, que fais-tu là? Tu cherches des amecs, c'est ça? Si tu me cherches, tu me verras. Je suis prête. Au fait, tu es tellement minuscule que d'un claquement de doigts, je pourrais t'écraser. Tu sais de quoi je suis capable? La petite idiote. L'éléphant avait son énorme poids, se croyant invincible, mais a été renversé par une mouche. J'ai tombé dans ton propre piège. Oh! Et c'est peut-être une minuscule qui va te donner une raclée. Mon oncle, j'aimerais que ça passe, mais vois-tu, si tu meurs, ça change beaucoup de choses. Je deviendrai actionnaire majoritaire. Je contrôlerai toute l'entreprise. C'est ce que tu me dis. Ça t'apprendra à ouvrir les yeux sur ceux qui ne te regardent pas. Pétasse! T'as encore rien vu. Tu as vu ça? Elle pleure. Comment, chérie? Pétasse. J'y suis désolé, oncle. Par la grâce de Dieu. Bon, écoute, j'ai une affaire urgente à régler, alors tu prends moi soin de lui. Ok, t'inquiète pas. D'accord, à tout à l'heure. Tu comprends pourquoi j'insiste sur le mariage. Je suis malade. Et tout peut basculer d'un moment à l'autre. Trouve-toi une femme avant que je te ferme les yeux. C'est compris, papa. J'attends juste de tomber sur la bonne personne. En plus, je ne veux pas épouser la première venue. Tu sais, les filles d'aujourd'hui ne sont pas comme celles de ton époque. La plupart s'accrochent plutôt au bien matériel. Alors j'ai besoin d'une femme qui doit m'aimer sincèrement. Et non pour ce que j'ai. Ah, mon fils, tu ne trouveras
Jamais une femme a encore venu à son amour. Il n'y a jamais de meilleur choix. Tout choix est mauvais. Parce que de chaque femme, tu trouveras un caractère. Elles ne sont jamais pareilles. Tiens, mon père me disait qu'il serait préférable de faire un mariage de raison que de faire un mariage en amour. Mais je te comprends pas. C'est juste pour te dire que l'amour peut te faire souffrir. Mais un mariage de raison, c'est un choix que l'on fait et que l'on accepte. D'accord, papa. Je m'en vais prendre le résultat de tes examens. Attention à toi. Le travail et la réussite de beaucoup d'efforts. Ces satanées maladies veulent en découdre avec moi. Mais
Et dis pas ça, papa. Tu ne t'en iras pas sans avoir vu tes petits-fils. Tu as encore de longues joues devant toi. Allô, Solange. Bonjour. Bonjour, princesse, ça va? Ça ne va pas. S'il te plaît, je veux qu'on course. C'est comment? Tu as un problème? Oui. C'est important. Je voulais venir chez toi, mais je n'ai même pas l'argent de transport. Ok. Ne te dérange pas. J'arrive. Ok? D'accord, je t'attends. J'ai l'impression que ton frère ne veut rien entendre au sujet du mariage. Mais tu n'es pas obligé de l'attendre. Trouve-toi une femme et marie-toi. Je l'ai déjà compris, papa. J'espère que tu n'as pas un choix, Ellie. Ah, tu l'as déjà trouvé, ma belle-fille. Pas encore, papa. Je demande seulement dans le cas où... Ok, ok. Bon, d'accord. Vas-y, retourne au travail. Bonne journée, papa. Ok, à bientôt. Tu sais, Zoé, je passe des moments très difficiles. Et tu es la seule personne à qui je peux me confier. Bien sûr que oui, Margot. Bien sûr que oui. Depuis que je me suis séparée des gens, je souffre énormément. J'attends tout de ma tante. Je suis déjà majeure. Avec ma mère, la relation n'est pas autorisée.